Je vais faire la lecture du mémorandum. Aujourd'hui, nous sommes dans la rue pour rendre public des revendications légitimes. Légitimes, oui, parce qu'étant Sénégalais, nous méritons d'être traités sur le même pied que les autres citoyens. Les villages Niam, Ker Malick Fall et Ker Amadi Mouna font face à des questions lancinantes qui demandent des réponses urgentes et durables. À ces trois villages, toutes les populations sont affectées par une grave pénurie d'eau potable depuis plusieurs mois. L'eau est un réel problème à ces villages nominés, car tous les robinets sont à sec. Vous imaginez, depuis presque 18 mois, nous n'avons pas le liquide précieux. C'est vraiment anormal. Malheureusement, ceux qui doivent parler à notre place sont à l'abri du besoin. C'est pourquoi le problème reste entier. Des problèmes d'approvisionnement en eau sont signalés partout au Sénégal, mais le nôtre est pire. Puisque peut-être d'ici quelques mois, nous allons boire des eaux usées. Vraiment, c'est pitoyable. Nous exhortons les autorités à prendre à tout prix les dispositions nécessaires pour répondre définitivement à ce problème. Il est temps que les dispositions soient prises sur ces villages dits, pour que l'alimentation en eau puisse être stable. Je ne saurais terminer sans pour autant plonger mon nez sur la question la plus cuisante, qui est la réhabilitation de la route et l'octroi des parcelles à usage d'habitation. Alors, notre village Niem et les deux autres villages nominés est en agonie depuis quelques mois suite à l'état de délabrement de la route regrettable et visible comme le soleil au zénith. Ainsi, nous peinons à transporter nos produits agricoles et halieutiques. Seul levier économique du village, parce que les camions frigoriques n'acceptent plus d'y venir, raison pour laquelle les passeurs sont obligés de s'exiler. Vraiment, c'est encore plus pitoyable. Des mères de famille sont privées de revenus quotidiens parce qu'ils ne trouvent plus de boulot et cette situation pèse sur notre avenir. À cet effet, nous sollicitons encore une fois auprès de l'État la réhabilitation de l'axe Port-Niem long de 3 km, tout simplement. C'est devenu plus qu'une urgence parce qu'il y a de l'avenir tous ces jeunes, tous ces hommes et femmes. Bon, alors, pour terminer, nous demandons fortement l'allocation des parcelles de terrain à nos frères pêcheurs. Venus de Saint-Louis et d'autres d'origine pour qu'ils puissent s'y implanter et mener convenablement, avec dynamisme et assurance, leur activité pour le développement de la commune. Bon, ces révélations ne sont que des piqûres de rappel sur les engagements du président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, lors de son passage à Poitou, le 30 mars 2017, 3 ans à nos jours. Oh, c'est trop. Date de l'inauguration du Quai d'Express de Poitou. Nous aimerions vraiment une aide prompte pour enterrer ces problèmes à la va-vite. Je vous remercie. Ouais. Every single day.